Bonjour, nous sommes la classe de 6e 1 du collège de Lady, situé à Roussillon, en Isère. Cette année, avec les JO, la Coupe du Monde de rugby et les championnats de football, nous avons un projet autour du sport et des médias. Dans la classe, on a des footballeurs, des judokas, des pongistes, des volleyeurs, des basketteurs, des handballeurs, des triathlètes, des boxeurs, des danseurs, des tennisman, des rugbyman, des escaladeurs, et on a tous un point commun. On pratique de la natation. Nous allons interviewer des professionnels et des pratiquants pour comprendre pourquoi et vous faire découvrir l'histoire de la natation. Nous nous rendons à la piscine Charlie Kirakossian pour en savoir plus sur cet équipement historique. Oui, bonjour, je m'appelle Serge Libé, j'ai 64 ans, je suis maître-nageur et mon rôle est chef de bassin. Aimez-vous mon métier, à quoi consiste-t-il ? Oui, bien sûr, j'aime mon métier, puisque ça fait 45 ans que je suis ici, à la même piscine. Hein. Mon métier de maître-nageur, il consiste à surveiller le public, les scolaires, éventuellement, en cas de problème, sauver. Hein. C'est pour ça que ça s'appelle maître-nageur-sauveteur. J'ai un rôle de chef de bassin, je dois m'occuper des plannings, du personnel, des commandes, des réparations. Ça, c'est en plus de mon rôle de maître-nageur. Il y a trois personnes à temps plein qui sont employées à la piscine. Un technicien qui s'occupe de tout ce qui est technique, traitement des eaux, espace vert, réparation, petite réparation, peinture, plomberie, enfin, tout ça. Il y a un autre maître-nageur à plein temps, et il y a aussi une caissière. Pouvez-vous nous expliquer l'histoire de la piscine ? Alors la piscine, elle a été construite en 1976, suite à un programme des mines piscines, qui a été lancé par le ministre de l'époque, M. Comiti, qui avait décidé de relancer la natation sportive et scolaire, suite aux mauvais résultats des Jeux Olympiques de Mexico en 1968, et ça a été mis en œuvre par la mairie de Roussillon à l'époque. En 1976. L'architecture était un petit peu futuriste à l'époque, hein, on parle des années 70. Hein. L'avantage de cette structure, c'est qu'elle est mobile. Ça veut dire qu'on l'appelait au départ tournesol, parce que comme les tournesols, elle suivait le soleil. Elle est orientée plein sud, en ouvrant un tiers de la structure. L'été, vous connaissez tous, hein, le soleil rentre dedans et c'est très agréable. On transforme une piscine couverte en piscine de plein air. Est-ce que c'est la première du territoire ? Non, il y en a une qui est bien plus ancienne, qui dépendait du Rodia Club, hein, qui a été construite par Ron Poulenc à l'époque. C'était la seule même entre Lyon et Valence. Elle a été construite après-guerre. Pour la petite histoire, c'est les ouvriers de Ron Poulenc qui l'avaient creusée et ils bénéficiaient d'une eau tempérée grâce à la récupération de l'eau chaude de Ron Poulenc. Merci à vous. Avez-vous quelque chose à ajouter ? Je voudrais mettre en avant le rôle de la communauté de communes qui permet à tous les enfants de la circonscription d'apprendre à nager gratuitement. Surtout que je vous ai tous vus déjà à la piscine, soit avec le PH, soit avec Roussillon, soit avec le collège. Bonjour, je m'appelle Amélie et je fais de la natation. Bonjour, je m'appelle Pierre-Luc, j'ai 11 ans. Depuis quand pratiquez-vous la natation ? Depuis 2 ans et demi. Comment ça se passe les entraînements ? Les entraînements se passent, on fait des longueurs, c'est-à-dire qu'on fait par exemple on fait du 104 nages, c'est-à-dire 25 papes, du papillon, 25 dos, après 25 brasses. Et 100 crawls, et 25 crawls. Y a-t-il des compétitions ? Est-ce que vous avez regardé les JO, en particulier les épreuves de natation ? Oui, je peux les regarder. Comment vous sentez-vous en nageant ? Je me sens bien. J'aime bien être dans l'eau, c'est un peu mon élément. Quand je suis dedans, je me sens bien. Quand je nage, je me sens à l'aise.
Si j'étais une nageuse de haut niveau, je ferais les compétitions pour pouvoir avoir des sensations exceptionnelles. Je participerais aux JO et je voudrais être connue comme Gary Hunt pour plonger. Je m'inscrirais à presque toutes les épreuves de natation, je ferais de grands plongeons et pouvoir progresser encore et encore. On est des élèves de CM2 de l'école Paul Langevin à Roussillon. Cette année, nos classes travaillent sur le sport avec une journaliste. Selon nous, le sport, c'est bon pour la santé. Ça apaise, ça rend joyeux, ça donne confiance en soi. À Salé-sur-Seine, l'école de cirque Patoche existe depuis plus de 30 ans. Nous sommes allés interviewer ces circassiens pour savoir quelles sont ces pratiques proposées au cirque Patoche. Bonjour, donc je m'appelle Patrice Huet, j'ai créé l'école de cirque il y a pas mal d'années, donc moi je suis le responsable de l'école de cirque, le directeur, fondateur, animateur, je fais un petit peu tout. Bonjour, alors moi je suis Floriane Huet et je suis ici initiatrice des arts du cirque et j'ai une partie aussi de mon travail en administratif, je fais du travail de bureau aussi. Comment a été créé le cirque Patoche ? Alors, c'est une longue histoire. Le cirque Patoche, j'ai créé ça, en début, ça fonctionnait que l'été, parce qu'on ne savait pas si ça allait être une activité qui allait plaire. Donc, on a créé ça l'été 1988. Donc, il y a 35 ans, ça fait 35 ans cet été. Et à partir de septembre 89, l'activité a démarré de façon hebdomadaire, tous les soirs. Et on a démarré avec un groupe de 18 enfants. À quel public les cours sont-ils destinés ? Alors, nous ici, à l'école de cirque, on accueille des enfants à partir de 2 ans, avec leurs parents et ensuite les enfants de tout âge jusqu'aux âges adultes puisqu'on a aussi des cours pour les adultes. Que fait-on au cirque Patoche ? Alors on fait, moi l'école de cirque elle est affiliée à la Fédération Française École de Cirque. Donc quand on est affilié à la Fédération Française, on est obligé d'avoir un enseignement pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fait les 4 grandes familles de disciplines circassiennes. C'est-à-dire qu'on fait de la jonglerie, manipulation d'objets. On fait de l'acrobatie, portée, pyramide. On fait tout ce qui est du domaine de l'aérien, trapèze, tissu à bac, cerceau, corde, ça. Et on fait tout ce qui est du domaine de l'équilibre sur objet. Donc tout ce qui est boule, fil, rouleau, voilà. C'est les 4 grandes familles qu'on est tenu d'enseigner. Est-ce qu'il y a des risques de blessures dans votre métier ? Alors oui, il y a des risques de blessures parce que on pratique aussi, donc on peut tomber. Ça arrive. Et puis, il y a des risques de blessures aussi quand on charge et qu'on décharge du matériel, parce qu'on n'a pas que des cours à l'école de cirque, on a des cours aussi à l'extérieur. Donc, il faut charger les véhicules, décharger aussi. Donc, on a de la manutention et là, on peut se faire mal aussi, oui. Peut-on assister à un spectacle de cirque ? Ah oui, alors régulièrement il y a des artistes qui sont en résidence à l'école. Et après, sinon on a notre festival qui dure les 2 dernières semaines du mois de juin, où là effectivement il y a des séances pour les scolaires et c'est des artistes professionnels. Souvent c'est des compagnies qui sont venues en résidence dans l'année, qui viennent présenter leur spectacle. Et donc il y a des écoles qui viennent et puis il y a des spectacles tout public aussi. Alors, un bon circassien, ça dépend ce que tu entends par bon circassien. Un bon circassien amateur, comme le sont les enfants, il y en a qui s'entraînent entre 1h30 et 2h par semaine, et ils arrivent quand même à la fin de l'année à avoir un niveau et faire un spectacle qui est sympa. Vous verrez. En France, on a la chance d'avoir une filière qui est vraiment reconnue et où effectivement, ça leur délivre un diplôme après le bac, hein, qui est équivalent pratiquement à un niveau bac plus 5, où là, les artistes, ils s'entraînent toute la journée, toute la semaine, donc ils ont 6 à 7 heures d'entraînement par jour, pendant 5 jours, sur entre 3 et 5 ans. Pourquoi vous aimez le faire du sport ? Alors moi, pratiquer du sport, ça m'aide des fois à évacuer s'il y a des jours où je me sens pas bien. Ça aide à se défouler, à exprimer des choses que des fois, juste en parlant ou avec des mots, on n'arrive pas forcément à faire ressortir. Donc dans le sport, on se défoule et donc c'est important. Et là, en plus, avec c'est un sport artistique, donc en plus, on essaye de donner du plaisir aux gens, à ceux qui nous regardent. Et donc là, ça, c'est important pour moi. Je m'appelle Manu et je suis en CM2, j'ai 10 ans et je travaille le cirque et dans les arts du cirque, je travaille le tissu à mac et le monocycle et le trapèze.
Combien d'heures par semaine t'entraînes-tu pour réussir? Une heure ou deux heures. Pourquoi fais-tu du sport et pas juste le cirque? Parce que je fais de l'équitation et ça m'aide aussi en équilibre. Quelle émotion ressens-tu quand tu pratiques une discipline, les arts du cirque? Je me sens bien, je me sens dans ma personnalité. C'est tout. Alors moi je m'appelle Andrea Martin-Lopez et je fais du trapèze. Je suis trapéziste professionnelle. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? J'ai choisi ce métier parce que j'adorais être sur le trapèze, bouger avec, tout ça, être sur scène et pratiquer. Et je trouve que c'est un bon moyen de rassembler les gens et créer des spectacles. Ça aide à passer des bons moments tous ensemble et puis à faire passer des messages si on a envie, un petit peu. Quels sont les arts du cirque? Il y en a plein. Il y a le trapèze déjà. Et déjà dans le trapèze, il y a plein de trapèzes différents. Il y a du trapèze ballant qui bouge comme ça. Il y a du trapèze volant où il y a des porteurs et des voltigeurs. Il y a du trapèze Washington où on fait des équilibres dessus, sur les mains et sur la tête. Il y a du trapèze danse qui est en un point. Au lieu d'être accroché en deux points, c'est comme un triangle qui tourne et qui monte et qui descend. Est-ce que les artistes en résidence donne des cours? Parfois ça arrive, oui. Moi j'ai donné un cours pour remercier mon accueil ici. Oui, ça arrive. Des fois on est un peu polyvalent. Je m'appelle Johan Durand et je suis artiste de cirque. Et plus précisément, je suis diaboliste, danseur, acteur. Quand avez-vous fait votre premier spectacle? Sachant que j'ai commencé à 15 ans, j'ai dû faire mon premier spectacle à 17 ou 18 ans, c'est ça. C'était pour un téléthon organisé dans ma petite ville en Bretagne. Qu'avez-vous fait dans votre spectacle préféré? Moi, je suis trop content de délivrer un message qui me tient à cœur, tout en réussissant à le lier à des choses que j'aime faire. Et j'arrive à utiliser la danse et le jonglage pour délivrer mon message. Quelles sont vos plus grosses blessures? Je n'ai jamais eu de grosses blessures physiques, et j'ai beaucoup de chance là-dessus. Parce que j'ai croisé beaucoup de circassiens qui en avaient eu, voire qui ne pouvaient plus pratiquer à cause de trop grandes blessures. Quelles sont vos plus grosses difficultés? C'est que je suis en train de créer un nouveau spectacle long et j'ai énormément d'idées de ce que j'ai envie de mettre à l'intérieur. Donc là, je suis en train de chercher des metteurs en scène qui vont m'aider à organiser mes idées et à donner forme à mon spectacle. Avant ce projet, on connaissait peu le cirque et la piscine. On a rencontré des artistes et des sportives qui nous ont montré leurs talents, leurs capacités et leurs performances. On a aussi fait du foot, de la corde à sauter, on a beaucoup couru, on s'est bien dépensé, on a même nagé, jonglé et diabolé. On a appris que le sport, c'est une belle façon de vivre ensemble.